Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame la représentante spéciale adjointe du Bureau des Nations Unies en Haïti, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les membres des corps diplomatiques et consulaires, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs les journalistes de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs, l'ULCC, par mon organe, vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Aujourd'hui, nous sommes à l'avant-veille des 20 ans de la création de l'unité de lutte contre la corruption. En effet, par décret du 8 septembre 2004, pris par l'administration des feux Alexandre Latortue, créant ainsi l'unité de lutte contre la corruption, un organisme à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, avec pour mission de protéger les biens publics et collectifs, assurer l'efficacité des mesures et actions afin de prévenir, dépister, sanctionner et éliminer les actes de corruption et infractions assimilées, favoriser la transparence dans la gestion de la chose publique, établir un climat de confiance pour promouvoir l'investissement privé, moraliser l'administration publique et la vie publique en général. 20 ans après, d'aucuns disent que l'ULCC a su gagner ses lettres de noblesse et demeure la gardienne de la bonne gouvernance et de l'éthique en Haïti. Jusqu'à hier, lors de la cérémonie religieuse, le prêtre eut à dire, et je cite, « Le pays doit se réveiller. L'administration publique, avec le travail qu'effectue l'ULCC, est appelée à être saine. » Donc, c'est avec des sentiments de joie, de respect et d'humilité profonde que nous célébrons en ce jour les 2 décennies de l'institution autour du thème « Transparence ». Nous demandons à Mme Saraïka François de bien vouloir gravir l'estrade afin d'entonner la Dessalinienne. Veuillez vous mettre debout pour saluer notre bicolore. Sachez, Madame, Monsieur, que l'unité de lutte contre la corruption regorge de nombreux talents. C'est à juste titre que je vous demande de prêter une attention soutenue à la chorale de l'institution qui va vous régaler avec l'hymne anti-corruption. Thank you.
un hymne anticorruption qui a pu mettre le baume au cœur de plus de centaines de personnes. Pour cela, je vous demande, mesdames et messieurs, de les applaudir pour une seconde fois. Merci. Maintenant, nous allons vous présenter une vidéo bilan qui traitera des activités de l'unité de lutte contre la corruption de 2004 à 2024. Bonne écoute. À la suite de la publication en 2003 par Transparency International de l'indice de perception de la corruption et l'adoption par les Nations Unies de la Convention de Mérida, l'État haïtien a décidé de créer par décret du 8 septembre 2004 l'unité de lutte contre la corruption, avec pour mission de combattre la corruption et ses manifestations sous toutes ses formes de l'administration publique. Au regard des dispositions du décret, l'UNCC dispose de deux grands axes d'intervention, la prévention et la conduite des enquêtes. En ce sens, au cours de ces 20 ans, l'ULCC a réalisé des centaines d'activités de prévention sur tout le territoire national. L'adoption par le Parlement haïtien de la loi du 12 mars 2014, portant prévention et répression de la corruption, marque un tournant décisif dans l'histoire de l'institution. À cause de cette loi, les champs de compétences de l'ULCC ont élargi. Désormais, elle peut combattre la corruption même au sein des entreprises privées. Dans le cadre des suivis de la mise en œuvre des conventions anticorruption, Haïti a reçu du 8 au 10 avril 2014 la visite in situ des experts étrangers de l'Organisation des États américains. Ces derniers ont rencontré des fonctionnaires des principaux organes responsables de prévenir, dépister et sanctionner les actes de corruption. Au cours de l'année fiscale 2014-2015, l'ULCC a lancé son centre d'appel 5656, un numéro anonyme et gratuit pour recevoir les dénonciations et plaintes de citoyens victimes ou témoins d'actes de corruption. En décembre 2014, l'institution a lancé la campagne nationale de vulgarisation de la loi du 12 mars 2014 afin d'aider les acteurs judiciaires à mieux cerner les infractions de corruption. Ainsi, dans son ambition de faciliter le travail de la justice, l'ULCC a approuvé l'équipe technique de la loi du 12 mars 2014. En octobre 2017, l'institution a organisé plusieurs séminaires de formation et d'information avec la FENAM à l'intention des maires de plusieurs départements du pays, conclus par la signature de l'acte d'engagement en faveur de la lutte contre la corruption. Pour renforcer les liens entre les secteurs publics et privés dans la prévention de la corruption, en avril 2018, l'ULCC a organisé un déjeuner débat au centre de convention de la BRH avec le secteur public des affaires. En septembre 2023, en partenariat avec la Chambre franco-haïtienne du commerce et d'industrie, elle a interpellé le rôle du secteur privé dans la lutte contre la corruption. Dans un souci de vulgarisation, l'ULCC a participé à la grande foire annuelle de Livre en Folie en 2018. Dans le cadre de sa campagne de prévention, il a organisé en 2019 une journée porte ouverte. C'est dans cette même veine que la chaire d'études universitaires anticorruption, qui porte le nom du premier directeur général de l'ULCC, Amos Durosier, a été instituée le 30 août 2023 à travers une cérémonie conjointe officielle avec la conférence des recteurs et des présidents d'universités d'Haïti. Dans sa compétence prélégislative, l'ULCC dispose dans ses archives 5 avant-projets de loi. Parmi eux, celui sur l'accès à l'information et celui sur la sextorsion. Cette dernière est l'incrimination d'une forme de corruption où le sexe représente une monnaie d'échange. Des ateliers de consultation autour de ces avant-projets sont généralement réalisés avec les partenaires techniques et financiers tels le PNUD, l'ONUDC, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ainsi, 2023 et 2024 ont été déclarées les années de déclaration de patrimoine et de la redevabilité. Dans ce contexte, l'ULCC tient le 28 février de chaque année la journée de déclaration de patrimoine où les concernés ont pu remplir à l'ULCC cette formalité légale. Sous l'administration de l'actuel directeur général, l'ULCC a décidé de mettre à profit toutes les habilitations que la loi confère aux agents assermentés de l'institution
pour mieux accomplir sa mission. Mandaté par le directeur général, les enquêteurs de l'ULCC font désormais des perquisitions et des descentes des lieux en haute pour collecter les éléments de preuve et constater les infractions de corruption. Dans cette dynamique, de 2020 à date, 6 institutions de l'administration publique ont déjà été perquisitionnées. LEH, AGD, CAS, Mairie de Wanamè, FNU, BMPA. Comme bilan, l'ULCC a déjà transmis à la justice depuis 2004 94 rapports d'enquête, dont plus de 50% durant l'actuelle administration dirigée par Maître Anne-Jacques Ludwig Joseph et environ 150 requêtes pour défaut de déclaration de patrimoine contre des maires, des consuls et des ambassadeurs. Sur les 94 rapports, il n'y a eu qu'une seule condamnation. Prise sous cet aspect, l'impunité constitue l'un des principaux problèmes de la corruption en Haïti. La nation attend encore des réponses de la justice. Depuis 2014, en leur qualité d'expert principal pour Haïti, les directeurs généraux de l'ULCC participent annuellement aux conférences des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Par conséquent, en octobre 2022, Haïti fut honoré d'avoir évalué la République de Corée dans le cadre de l'application de cette convention. Cette année, le directeur général a participé à plusieurs actions internationales anticorruption. Maître Joseph a participé à la 15e session du groupe d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 10 au 14 juin sous les auspices de l'ONU DC. L'État haïtien à travers l'ULCC est désormais membre du réseau Globi. L'adhésion d'Haïti à cette structure de coopération informelle facilitera le partage rapide d'informations entre les pays afin d'identifier, d'enquêter et poursuivre les infractions de corruption transnationale. Corrompus, corrupteurs, autant. La lutte contre la corruption doit être une priorité absolue pour tout État conscient de sa mission de garantir le bien-être collectif. Pour raviver la flamme de la nation, pour le présent et pour l'avenir, on continue. Et pourquoi ne pas continuer? C'est donc avec plaisir que nous accueillons le directeur général de l'ULCC, Maître Hans-Jacques Ludwig Joseph, dans son discours de circonstance. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, haute autorité du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Président, Monsieur le Protecteur du citoyen, Monsieur le Gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et consulaire, Messieurs les hauts états-majors des forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs et directeurs généraux, honorables magistrats et magistrates des différents cours et tribunaux de la République, Mesdames, Messieurs des secteurs, représentants des secteurs privés, des affaires et de la société civile, Mesdames, Messieurs les employés de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs, chers invités, le 8 septembre 2004, l'administration Alexandre Latortue, sous l'impulsion et l'influence experte et visionnaire du feu ministre de l'économie et des finances, Henri Bazin, constructeur idéal du projet ULCC, a adopté le décret portant création de cette institution. Plus qu'un dispositif étatique normal, il s'agissait 20 ans de cela d'une réponse pérenne, structurée, étudiée face à un mal qui plombe le développement économique et social et qui fissure en profondeur le vivre ensemble haïtien. Une réponse, dis-je, car le mal de corruption, ce virus envahisseur qui tend à se normaliser et tout en rongeant de l'intérieur toutes les lignes structurantes de la société s'installe
comme une nouvelle morale, une perversion considérée et tolérée. Voler l'État n'est pas voler. C'est autour de cette conscience construite en Haïti par des forces occultes mais dominantes qui s'infiltrent malicieusement dans tous les espaces stratégiques d'éducation, de formation et de transformation de l'être haïtien. Le décret du 8 septembre 2004 qui a créé cet organisme de l'État a compris qu'il fallait accorder pleine et entière autonomie à l'unité de lutte contre la corruption afin qu'elle puisse non seulement réprimer avec force et engagement les actes de corruption, mais aussi et surtout sensibiliser et éduquer la population sur les méfaits rageurs, catastrophiques, destructeurs de ce phénomène sur la survie de la République. Le législateur, après avoir considéré que la corruption représente l'une des plus grandes entraves au bon fonctionnement de l'administration publique, s'est résolu d'ériger les agents assermentés de l'ULCC jouissant pleinement et désormais activement du statut d'officier de police judiciaire en des protecteurs nés des biens publics, des vigiles de la bonne gouvernance, des fédateurs de l'éthique publique. Une sentinelle qui s'affirme, un rempart qui se renforce au fil des années contre l'assèchement des caisses de l'État, contre la dilapidation du trésor public et qui, en réaction, lance l'assaut pour exiger envers et contre tous la reddition de comptes. Mesdames, Messieurs, en ce matin de célébration des 20 ans d'existence de l'ULCC, je veux avant toute autre chose saluer le courage et le sens élevé de la République, l'engagement et le patriotisme des enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption qui réalisent derrière le rideau ce travail désormais salué de partout. Ces femmes et hommes de l'ombre dont les noms ne sont maculés d'aucune souillure et pour qui j'éprouve une immense fierté sont de vrais constructeurs patients de la nouvelle société axée sur l'intégrité et le respect scrupuleux des biens publics. 20 ans après, il est venu le temps de les conférer en reconnaissance des risques énormes qu'ils encourent, des sacrifices quotidiens qu'ils font pour rendre à l'Haïtien son humanité arrachée, comme le disait le révérend père Charles-Joseph Père, par la corruption. Ce statut particulier prévu dans le décret de 2004. La croisade risquée, mais salvatrice, contre la corruption en Haïti, lancée contre la corruption en Haïti depuis 2004, accentuée et dynamisée au cours de ces dernières années, s'inspire grandement de cette forte exigence sociale de transparence et de redevabilité. Le réveil de la conscience citoyenne de sa léthargie provoquée doit être récupéré par les structures étatiques afin de traduire les insistantes demandes légitimes de nos groupes sociaux en politique publique. Sur cette base, je souligne cette volonté du gouvernement de la République en réponse à cette sollicitation accrue de la société civile et des partenaires techniques et financiers d'Haïti de doter le pays d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. L'expression des vœux aboutira, je le crois, à la concrétisation. Dans cette même veine, les avant-projets de loi sur le libre accès à l'information, sur la protection des dénonciateurs, des lanceurs d'alerte et des témoins doivent venir renforcer ce nécessaire contrôle citoyen que nous appelons de nos vœux. Si le citoyen haïtien doit être impliqué dans cette croisade anticorruption qui participe dans le processus de la construction et de la consolidation de la paix, il doit être également muni d'outils légaux et institutionnels de protection efficace contre tout risque de représailles. Les initiatives et les stratégies
visant à impacter durablement vont s'intensifier. Les clubs d'intégrité dans les écoles, le centre de documentation anticorruption dans la Bibliothèque nationale d'Haïti, la chaire interuniversitaire d'études anticorruption baptisée chaire Amos Durosier, les conférences départementales contre la corruption, la revue scientifique dénommée Transparence, les différents guides portant notamment sur les risques d'atteinte à la pauvreté, s'il s'avère donc fondamental de mettre un accent prononcé dans nos démarches sur la prévention. Toutefois, au constat du haut degré de gravité de la situation, je fais aussi ma grande priorité le levier de la répression, afin de faire comprendre que les pratiques de corruption ne sont plus tolérées par l'État et ont des conséquences pénales et sociales. Il est donc de ma responsabilité comme directeur général de l'USCC, agissant comme officier de police judiciaire, conformément à l'article 11 du décret du 8 septembre 2004, de dépister les actes de corruption, en documenter les faits, en détecter les auteurs et les traduire par devant la justice. Cette responsabilité assumée sans aucune considération persistera suivant les lignes très claires tracées par le gouvernement de la République dont j'exécute la politique anticorruption. C'est dans cet esprit que la coopération internationale demeure essentielle dans l'accomplissement des efforts engagés. C'est en ce sens, pour se mettre à jour avec les standards internationaux, que l'ULCC, tout en tenant compte des acquis du récent décret de 2023 sur le blanchiment des capitaux, a lancé les travaux de l'élaboration de l'avant-projet de loi sur le recouvrement des avoirs avec l'assistance technique des experts de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. La récente adhésion de la République d'Haïti au réseau Globi, le plus grand réseau mondial des autorités anticorruption, est le témoignage de cette détermination à chercher partout dans le monde les avoirs mal acquis issus des actes de corruption chez nous et investis ailleurs. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, s'il est évident que les récentes percées courageuses et majeures de mon administration favorisent l'émergence de cette ULCC d'aujourd'hui, il n'en demeure pas moins qu'elle s'appuie et trouve ses fondements dans une structure institutionnelle construite et entretenue par des hommes qui nous ont précédés. Je veux ici donc saluer les efforts encourageants des anciens directeurs généraux, soutenus brillamment par des cadres de l'institution dont le dynamisme, la proactivité facilitent aujourd'hui, je l'affirme, cette prise d'envol de l'unité de lutte contre la corruption. En ces moments difficiles de notre vie de peuple, où Haïti fait face à de nombreux défis, seule la transparence est susceptible de rétablir la confiance sociale et ouvrir la voie à une vraie relance économique et une stabilité politique durable. En ce sens, nous comptons sur la participation de tout un chacun, de la justice pour le suivi des enquêtes, de la société civile pour la vulgarisation et la prévention de la corruption, de l'Église pour la promotion des valeurs sociales et morales, des écoles et des universités comme institutions avant-gardistes et vigiles des grandes valeurs nationales. Agissons tous ensemble afin de laisser un meilleur pays pour les générations futures. Enfin, je veux terminer en remerciant les institutions sœurs et partenaires qui vont se prêter aujourd'hui à ce bel exercice de transparence, comme le thème de la célébration l'indique, en s'évaluant mutuellement et publiquement. C'est par-dessus tout une excellente démonstration de reddition de compte. L'assurance que vous devez avoir tout en sortant de ces lieux, c'est que l'USCC va continuer
avec autant d'énergie à troubler le sommeil des opérateurs de la corruption. Ensemble, on doit continuer. Joyeux 20e, bonne fête à tous et à toutes. Merci beaucoup. La croisade est donc risquée, mais les maîtres mots sont l'intégrité, le respect des biens publics, la redevabilité et notamment la transparence. Arrive le temps, Madame, Monsieur, de recevoir le discours de la représentante spéciale adjointe du Bureau des Nations Unies en Haïti, Madame Ulrika Richardson. Votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de l'Économie et des Finances, Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame la ministre déléguée pour la lutte contre la corruption et l'impunité, Monsieur le directeur de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique en Haïti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les cadres et employés du ULCC, Mesdames et Messieurs collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile, Mesdames et Messieurs de la presse écrite, parlée et en ligne, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités. Je suis énormément honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour le 20e anniversaire de l'unité de lutte contre la corruption. En cette journée de célébration, je tiens à féliciter ULCC pour son action durant ces 20 dernières années en matière de protection des biens publics, sa détermination à garantir une gestion honnête, digne et efficace de l'administration publique et ses efforts visant à renforcer la confiance des citoyens envers les institutions de l'État. Je tiens également à remercier l'ULCC ainsi que toutes les institutions partenaires, donc aussi le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et le Canada, pour leur rôle essentiel dans l'organisation de cet événement aujourd'hui. Finalement, je souhaite également saluer l'engagement de toutes les parties prenantes ici présentes, représentants d'institutions publiques, du secteur privé, les médias, les organisations internationales et de la société civile. Donc l'action est essentielle pour créer une société plus transparente, juste et prospère. Aujourd'hui, nous célébrons cette action et reconnaissons l'importance de poursuivre ce combat avec une volonté et une détermination renouvelées. Mesdames et Messieurs, le thème choisi pour cette journée, la transparence, est particulièrement pertinente. La corruption est l'un des plus grands obstacles au développement durable et à la paix dans le monde entier, le nord, le sud, est et ouest, y compris en Haïti. Et comme l'a affirmé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la corruption est criminelle, immorale et constitue le plus grand trahison de la confiance publique. La transparence, quant à elle, est le socle sur lequel repose une société juste avec une gouvernance efficace et inclusive et durable. Transparence est une condition préalable essentielle pour prévenir la corruption, encourager la responsabilisation et instaurer la confiance au sein de la société. En cette période de transition dans le pays, où la justice doit répondre aux attentes de la société haïtienne, le peuple haïtien, l'intégrité et l'éthique ne sont pas simplement des mots. Ces valeurs constituent les piliers fondamentaux d'un véritable état de droit qui agit dans l'intérêt de tous les Haïtiens. Dans ce contexte, la Convention des Nations Unies contre la corruption est plus pertinente que jamais. En tant que cadre juridique international le plus complet pour lutter contre la corruption et promouvoir la transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance, la Convention des Nations Unies contre la corruption fournit aux États parties, y compris Haïti, les lignes directrices pour la prévention, la criminalisation et la coopération internationale et la récupération
des savoirs mal acquis. La mise en œuvre rigoureuse avec détermination de cette convention est essentielle pour renforcer le cadre juridique et institutionnel d'Haïti en garantissant que les lois et politiques nationales soient alignées et suivies sur les normes internationales les plus élevées, soutenues par une volonté politique ferme et un cadre institutionnel robuste. Cela signifie appliquer les lois et les réglementations en place de manière stricte et impartiale, afin de créer un environnement où la transparence et la responsabilité prévalent et devient le nouveau modus operandi. Cela signifie également terminer avec l'impunité, de mener à terme les enquêtes et les poursuites engagées contre les responsables de corruption pour garantir que personne ne soit au-dessus de la loi. Mesdames et messieurs, Monsieur le Premier ministre, la lutte contre la corruption exige une détermination, une persévérance et une solidarité indéfectibles entre tous les secteurs de la société. Cette lutte ne pourra être gagnée qu'avec l'engagement et la mobilisation de chaque citoyen haïtien, femme et homme, jeune et adulte. La transparence commence par chacun de nous. Elle nous responsabilise. Toutes et tous, nous avons le devoir de demander des comptes à nos dirigeants, de dénoncer les abus de pouvoir et de défendre l'intégrité dans toutes nos actions. L'éducation et la sensibilisation jouent un rôle central dans cette dynamique, notamment auprès de la jeunesse. Il est dès lors important d'investir dans cette jeunesse pour qu'elle puisse incarner et promouvoir l'intégrité de demain et d'aujourd'hui. Je me réjouis également de la présence de 3 femmes parmi les 5 employés honorés aujourd'hui. En renforçant la participation des femmes et en abordant les spécificités de la corruption liée au genre, nous pouvons non seulement réduire les inégalités, mais aussi renforcer la gouvernance éthique et inclusive. Mesdames et messieurs, je réitère aujourd'hui l'engagement de l'ensemble du système des Nations Unies à accompagner Haïti dans ce combat crucial. À travers l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, le Programme des Nations Unies pour le développement, le BINU et la Haute Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en collaboration avec nos partenaires nationaux et internationaux, nous nous engageons à renforcer les capacités des institutions nationales et à promouvoir les pratiques de gouvernance exemplaires qui favorisent l'intégrité, la probité et la reddition des comptes. Je souhaite que la célébration d'aujourd'hui pour éradiquer la corruption fera ce combat la noble mission de chacun et de chacune. Ce n'est qu'en renforçant notre collaboration et en partageant nos connaissances, nos visions et nos ressources que nous parviendrons à bâtir un Haïti dans lequel la transparence, la justice et l'intégrité deviennent les pierres angulaires de la société. Je vous remercie.